Dès lors que des travaux, un véhicule ou un obstacle encombre la chaussée, une signalisation spéciale est installée, assortie le plus souvent d'une limite de vitesse ou d'une interdiction de dépassement. Si l'encombrement est tel qu'une seule voie est disponible, la circulation doit être alternée afin de maintenir les deux sens du trafic en toute sécurité. Le conducteur est averti par ce panneau, souvent associé à des panneaux de danger. Selon la durée des travaux, la circulation est réglée par des feux provisoires ou bien par le personnel autorisé. Dans ce cas, la personne montre un panneau mobile. La face verte du panneau autorise l'accès, tandis que la face rouge interdit la circulation. S'il s'agit d'un feu tricolore, sachez que le feu orange clignotant fait office de feu vert. La zone à éviter est désignée par des balises de position. L'étendue du chantier est désignée par des barrières de début et de fin de chantier.